gens. Bon, regardez. Franchement, le petit panneau là. J'en avais pas fait encore la pub, malheureusement, j'aurais dû normalement. Normalement, j'aurais dû le faire. Voilà, le petit panneau Alpower souple. Chargeur, solar chargeur. Avec son petit boîtier et tout. Dedans, il y avait aussi, alors j'étais pas là. Et vous voyez, vous aviez plusieurs connecteurs comme celui-ci. Vous pouviez adapter plusieurs connecteurs en fait selon ce que vous aviez à charger. Et c'est vrai que ce panneau là, mine de rien. Alors ici, vous avez des prises USB, je ne sais pas si vous allez voir, et vous avez une prise USB et USB-C hein, pour les téléphones. Donc voilà, vous pouvez le brancher au-dessus ou sur le côté. Mais franchement, ce petit panneau là, il marche vraiment bien. Alors je ne pourrais plus vous dire les watts là-dessus, je ne sais plus. Et parce que regardez, il est en train de me chercher un petit débord, elle était à zéro. Hein. Regardez ça. Et là, il reste plus de 2 heures. Alors je remets un petit peu le papier. J'aime pas trop enlever le papier en général. 80%. Hein. Et franchement, elle aura bien chargé. Vous voyez, là, elle prend quand même 30 watts. Vous voyez, il est posé là. Le soleil se couche tout doucement. Donc non. Bon petit panneau quand même. Ouais, assez satisfait du panneau là. Ouais, c'est pas mal. Alpower, franchement, c'est de la bonne marque. Il n'y a pas trop à se plaindre. J'ai toujours été satisfait, moi, de ce produit, de ces produits. Donc, jusque-là, voilà, c'est pour ça que je vous le, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Allez. Kikou les gens. Bon, alors, je sais pas, il est plus de 21h, c'est sûr. Regardez, on s'occupe comme on peut, on regarde la télé en même temps. Hein, voilà, voilà. Et c'est parti pour les 5 derniers. Donc, on a encore pour une heure. Donc là, ouais, 22h30. C'est ce que j'ai dit. Ça. À 22h30, fini. On va pouvoir après ranger, parce que finalement, on aura fini. Donc, on va pouvoir ranger tout ça et prendre de la place. Et puis, regardez la télé, tranquille. Moi, j'ai une lunette de protection, moi. Ouais, toi, t'as une lunette de protection. Ouais. Alors, c'est vrai, comme je disais à la puce, qu'au début, elle portait cela. C'est celles qui sont fournies avec la horture. Et en fait, je me suis aperçu tout à l'heure, en les mettant, que quand elle était en train de graver, en fait, on voit encore le bleu avec celles-ci. Elles sont pas vraiment très protectrices. Que celles de la Falcon qui sont vertes, là, et ben, c'est nickel. On voit vraiment pas du tout le flash, on voit rien du tout. Donc, fais attention quand tu les mets. Regardez-moi ça, regardez. Elle va prendre la flemme de se lever, elle va préférer faire comme ça. Alors que, pourquoi pas prendre le temps de te lever tranquillement et de les poser correctement, que de risquer de toucher, de tout déplacer. Déjà, tu vas te calmer. Ben non, je me calme pas. On arrive sur les 5 derniers, c'est pas le moment de faire des conneries. Hein. Ah, cette flemme de toujours vouloir faire les choses et de faire vite parce qu'on n'a pas envie de se lever, puis après on fait une connerie et après c'est visé. Ah, je vous jure, moi je m'en fous pour faire regarder les fantômes. Parce qu'il y a des fantômes dans les écoles. Parce qu'il y a des, mais c'est que en Amérique, parce qu'il y a en Amérique qu'il y a des fantômes, mais il n'y en a pas ici en France. Ça n'existe pas, les fantômes. Il n'y a que en Amérique. Voilà. Vous aimez le sport? Voilà, voilà. On s'assure que c'est bien poussé au bout. Que c'est nickel chromux. Et on rebalance, et puis c'est bon sur ce coup-là. C'est le dernier. Ouais. Allez, vas-y, ma belle. Et je vous mens pas hein, quand je vous dis qu'il y en a pour 53 minutes exactement. Hein. Voilà, la synchronie, bah même pas, une heure. Allez, une heure de travail encore. Il y a eu 5 planches. Il y a eu 5 heures de travail. Bah, y a... Plus les rectos. Il y a pas mal, hein. Il y a pas mal de temps. On a fait recto et verso. On en aura tout fait, de toute façon, quand on commence à faire un petit faire. Il faut le finir jusqu'au bout. Allez. Ouais, ça fait presque 10 heures qu'on bosse. Ouais, ça continue à fond avant. On est à côté de la machine. On est à côté et qu'on s'occupe de la machine et qu'on surveille qu'il n'y ait pas de panne ou quoi que ce soit. Parce elle tourne bien la horture, hein, parce que ouais. Ça fait 10 heures qu'elle bosse. Je pense que ça va lui faire du bien de s'arrêter un petit peu et ça va lui faire du bien. Un petit bon petit coup de nettoyage que je vais lui donner. Après, ouais. Et je pense que ça va pas lui faire de mal. Allez, bon petit coup de soufflette partout là et puis un bon coup de nettoyage. Après, elle va se reposer un peu puisque après, on part sur du bois normalement. Je vois encore. Normalement, on est sur un truc comme ça, on va voir. Ouais, et, mais elle va se reposer quand même pendant encore un petit moment, parce que de toute façon, maintenant, je n'utiliserai pas avant mardi ou mercredi, parce que de toute façon, même oui, chaque fois on s'entend. Un coup c'est du gravage, un coup c'est le montage vidéo, un coup c'est du gravage, un coup c'est le montage vidéo, et puis voilà. Voilà comment on alterne pour ne pas fatiguer les machines. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est la dernière. La petite dernière. Il avait dit qu'on finirait à quelle heure? À 22h30, il est 22h22. Ah. C'est la dernière.
Bon ben voilà. On aura fait 50 passages, 25 rectos et 25 versos. Ce sont... C'est un truc voilà. De ouf. Alors qui c'est qui dit qu'on travaille pas? Qui c'est qui dit qu'on se dit? Qui c'est qui dit quoi? Qui c'est qui dit quoi? Hein? Dis pas oui, rien maintenant. Alors vous allez dire oui, mais c'est la machine qui travaille. Oui, mais il y a pas que la machine. Il faut qui rester travaille. À côté parce que c'est une machine qui est dangereuse. Mais attends, on n'a pas à se justifier. C'est bon, on travaille, c'est tout. Voilà, vous voyez bien, et c'est tout. On les a tous étudiés. On ne calcule pas nos heures. On sait ce qu'il y a à faire. Mis dans un petit. Mais voilà, en tout cas, c'était bien cool. Bah, mes mères, elle va pouvoir se reposer parce que franchement, aujourd'hui, elle aura bien, bien marché. Et je pense qu'elle va mériter son petit repos. Ouais. Bien mérité, je pense. C'est un code grave. Ah, ouais. Allez, c'est bien. Il y aura beaucoup de nettoyage après. Oh, ouais. Alors demain, parce que là, pour ce soir, ça va être un peu tard. Et demain, beaucoup de nettoyage, ça va lui faire du bien. Et après, je pense qu'elle va pas retourner avant un petit moment. Non, en repos. Donc elle va être un petit repos hein, pendant facilement 2, 3, 4 jours. On verra après pour refaire autre chose. Eh ben, c'est bon. Allez, qui coule les jambes alors voilà. Allez, bon bah c'est fait. Hop, on a fini là, on vient de finir là la finition. Et le tortel, il a mis un cœur. Voilà. Sur les photos. Tac. Donc ça c'est le verso. Et là on a le recto. Là on a le recto. Là on a le verso. Oh, je me trompe avec ça. Et voilà, avec écrit Nono Turtle. Et ici, voilà. Voili voilou. Avec le petit anneau qui va bien. Et le petit anneau en haut. Voilà, de façon à ce que ça soit plus propre. Donc voilà, donc comment on fait? Bah en fait on utilise ces chaînes là, vous voyez, c'est des chaînes qu'on a depuis un moment. Et il faut les recycler quoi. Donc c'est du recyclage. Donc il y a les pinces, il y a tout ça. Et puis après bah on fait ça. Non. Voilà. Et puis après bon, on vient resserrer correctement, proprement. Et puis voilà, voilou quoi. Bon en tout cas content, voilà, petite commande faite. Tac, celle-ci, elle est faite. Il n'y a plus qu'à attendre les plastiques. On va les mettre sous plastique. Donc, dès qu'on reçoit les plastiques, on les met dedans. Puis après, il n'y aura plus qu'à les ranger correctement dans un carton, bien bulé. Et puis, envoyer tout ça à Bruno. Voilà, voilà. Allez, des bisouilles. Hey, les petits loups, la petite eau qui chauffe du matin. Bonjour, on dirait le vidéo à Bruno. Quand il filme son truc là. Pour le petit café, Ricoré s'est pris. On est lundi. On a eu un peu d'eau cette nuit. Bon, léger. Hein. On a deux enveloppes qui partent. Une pour Michael et une pour Karine. Des bracelets. Ouais, j'ai tout accroché là. Merci, cœur. Très joli dès le matin. Bah, il faut bien se j'ai tout accroché mes bracelets ici. Regardez ça. Et là, hier, bon, voilà, j'ai mal à mon bras ce matin, donc elle va arrêter. C'est dingue. Mais j'aime tellement ça, c'est pas facile. Quelqu'un qui a une passion. J'ai fait un joli macramé mural. Ça faisait longtemps, hein, le macramé mural. Hein. Je crois bien que ça date. Hein. Donc voilà. Donc, ouais, un petit peu mitigé cochon d'Inde hein, ce matin. Mais bon, je préfère ça aux grosses chaleurs. Voilà, Titi Ninette, et eh ben ah. Il se réveille tout doucement. Ouais, tranquille. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Il a fait un gros dodo, il était au café. Tout doucement, il se réveille. Voilà. Et puis ben normalement, je sais pas, aujourd'hui ou demain, qu'on verra bien. Ouais, demain, je pense. On va reprendre la route. Voilà. Demain, on a aussi du matériel qui arrive à la maison. Qu'on a commandé bah, pour nos créations, hein, parce que bah, il faut investir pour faire de belles choses. Donc voilà, on va passer à l'appartement récupérer les colis. Et puis, bah c'est tout, ma foi, c'est tout. On a aéré, ça prenne l'air un peu partout. Aussi, je sais pas si... j'ai fait une petite longe de maintien pour Tyson. J'ai fait une petite longe de maintien. Bah, elle est courte, mais c'est juste pour maintenir le chien en paracorde, comme ça, là. Voilà, parce que son ancienne leste, elle était très abîmée. Comme ça, quand on sort de la voiture ou qu'on va au veto ou autre, on a une petite corde de maintien. Fait Mad in Jadia. Et ben, c'est tout pour ce matin. Voilà, on va prendre le petit déjeuner tranquillement. Et puis, ben, on verra bien. Et puis, ben, merci encore pour les commandes. Celles de Karine, de Michael, de tous ceux qui ont commandé, tous les messages que vous nous mettez.
voilà, pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous dire que vous nous aimez. Alors c'est gentil, parce qu'il y a des, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on connaît pas. Alors et puis bah voilà. Voilà. Merci quoi. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Comme il dit, c'est Van Wally Walou. Salut tout le monde, bon. Enzo est venu nous voir. Non, lui, c'est bon, il a déjà pris la voiture, il est parti. Vous voir qu'il n'a pas besoin de moi, hein. Il est grand. Hein. Bon, il est venu avec sa trottinette. Ouais. Bon, bah, s'il avait une voiture, il avait une voiture, c'est tout. Hein. Il sait où sont les freins, de toute façon. Bon, à constat, rien du tout. Hein. Chie dedans, comme dirait l'autre. Chie dedans. Bon, allez, on s'en va. Doucement, oui, voilà. Par contre, c'est une zone, il faut qu'il apprenne à être moins brusque quand il conduit. Tarzan, ici. Qu'est-ce qu'elle est chiante à faire, c'est très... Ouais, elle est chiante à faire ce bruit, là. Garage, ouais, bon, allez, il n'y en a plus pour longtemps. De toute façon, elle finira chez De Richbourg, celle-ci, après. Finira la ferraille. On va, elle va faire ce qu'elle a à faire encore pour l'instant, et puis après... Ça va la prendre un peu à conduire. Après, les poubelles, après cette voiture. Quand il sera prêt, de toute façon, il est hors de question de la vendre, il est hors de question de la réparer ou quoi que ce soit. De toute façon, elle est irréparable. On l'a déjà fait. Doucement! Ouais, mais tu vois, voilà... Il faut toujours qu'il fasse le con. Il y a et des là, voitures. Il tourne et puis terminé. Il y a des voitures. Non, c'est pas bon. Tu perds le contrôle du véhicule. Tu tapes dans la voiture là-bas, tu vas voir si c'est bon. On va t'expliquer avec les gens après. Alors fais attention. Vous voyez, ça, c'est pénible, ça. Arrête. Toujours qu'il fasse un petit peu l'idiot. Viens ici. Mais bon, on lui fait confiance, mais il va te faire du mal si tu... Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc du coup, ouais, non, je hors de question de remettre en vente cette voiture. Elle est trop dangereuse et finira la casse. Je prends pas de risque. Moi, je m'en vais serein. Et la voiture, elle n'existe plus. Ça sera très bien comme ça. De toute façon, elle nous aura fait le temps et bien sûr, ça sera bien suffisant. Allez. Bon, il va nous faire une marche arrière. Attention, grand Pinker. Là. Oh. Arrête, c'est pas une voiture de course. L'Adrien, il serait content avec ça. Tu rigoles, mais Adrien, il serait content avec ça. J'adore. Moi, franchement, j'avoue que c'est une voiture que je veux me débarrasser. Mais j'avoue que c'est, elle a un bon petit bruit, elle a un bon petit truc. Ouais. Mais si elle pouvait faire les kilomètres tout doucement, je l'emmènerais bien jusqu'à Narbonne. Bah, oui, et la faire finir chez Adrien. Franchement, j'aimerais bien. D'ailleurs, Adrien, si tu regardes la vidéo, dis-moi si cette voiture pourrait t'intéresser. Et ça me ferait plaisir, éventuellement. On fait des papiers, on s'en fout. Elle a 65 000 km. Elle a pas beaucoup de kilomètres. Et puis bon, elle est un peu fatiguée, mais au pire, mais elle peut encore. Allez, pour faire le con dans un terrain, je pense que ça peut être sympa. Donc à voir. Dis-moi, Adrien, si tu regardes la vidéo, dis-moi si ça t'intéresse. On va s'organiser. Doucement! Ah, il m'énerve à faire ça. J'aime pas. En plus, on est sur du gravier, ça part vite. En fait, le problème des jeunes aujourd'hui, c'est quand vous jouez avec vos véhicules, faites attention. Il aime déjà les bagnoles depuis des années. Hein. Mais c'est pas une question. Tu peux aimer les voitures, mais il faut savoir qu'une voiture, tu fais. Tant que tu la connais ça pas. Vite partir. Tant que tu connais pas, tu fais que deux avec la voiture. Et une fois que tu la connais bien, tu peux faire un. Et à partir du moment où tu fais qu'un avec la voiture, là, tu peux la maîtriser. Tant que tu la connais pas, tu la joues pas. Tu joues tranquille. Bon, bah, ouais, mais bon, j'aime pas quand tu fais ça. J'aime pas. Et bah, tu montes avec lui, tu lui dis. Mais je monte avec lui ou je monte pas avec lui, ça serait exactement pareil. C'est comment il est, il écoute pas. Elle prend une tac. Donc, en plus, là, il y a des. Encore, ça resterait sur un parking, il n'y aurait pas de bagnole encore, il n'y aurait rien. Je me dirais, bon, bah, il tape dans un poteau, je m'en fous. Et une bagnole, c'est pas le même tarif. Un poteau encore, il va rien me dire. Quoique, ça dépend des poteaux. Doucement. Bon, allez, c'est bon, il va arrêter là. Parce que c'est n'importe quoi. Il commence à faire n'importe quoi. Voilà, c'est bien, t'as fait ton intéressant, t'es content? Putain, mais. Voilà. Il y a Enzo qui descend. Ah bah, Seigneur. C'est le crotte qui me casse les couilles. Regardez-moi ça, il est malade comme je sais pas quoi, il arrête pas de tousser là. C'est bien d'aller à la piscine. Hein. Ouais. À la piscine. C'est magnifique la piscine.
Bon, ben voilà. Bon, vous voulez demander des nouvelles d'Enzo, ben, il est là, oui. Il a pas changé, toujours là. Il a grandi, c'est tout. Toujours aussi con pour toi. Hein. Pas changé. Hein? Encore un an. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu dis? Ben oui, ben elle aura le temps d'aller à l'arbre. Par contre, l'assurance, elle est finie. Bah, elle est pas finie. C'est que ta vignette est finie. De toute façon, bientôt, les vignettes, ils vont les enlever. Alors. L'assurance, faut que j'appelle l'assurance. Oui. Donc, voilà. Allez. Bon, ben voilà. J'ai fait une connerie. J'ai été chercher Guitou à l'appartement. Il aurait mieux fait de le laisser là où il était. Hein. Quelle bêtise. Mais bon. Non, je plaisante. Voilà, la puce a retrouvé son petit Guitou, elle est contente. Et nous, du coup, en allant à l'appartement, eh bien, j'ai trouvé, donc on a récupéré le fil de couleur et le petit partenariat que je vous ai parlé dans une des vidéos et qui va arriver quasiment à la suite, donc c'est ça qui est cool. C'est très bien. Allez. Bon, du coup, la puce, elle a reçu ses fils de couleur tranquillou, regardez. Elle a reçu ses petites fils de couleur. J'adore celui-là, ouais. Et du coup, bah voilà. Multicolore, en fait. Je suis le privilégié, hein. C'est ça l'avantage d'avoir une femme qui fabrique des beaux bracelets. Et ben, bah, je suis privilégié. Oui. Voilà, moi j'ai pris celui-ci. Alors, éventuellement, il y a possibilité de le mettre dans l'autre sens. Hein. Vas-y, tourne-le à moi, voir si des gens ils arrivent à voir. Vous le défaites un peu. On va le défaire. On va le défaisser un peu. Et puis vous le tournez. Et puis vous pouvez le tourner, vous voyez, avec le liseré noir au milieu. Voilà. Alors moi je préfère avec le liseré noir sur les extérieurs. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est mon choix vous à moi. Vous le tournez, hein, il bougera pas. Mais chacun son choix. Et franchement, il est super joli. Comme Manin Dadien. Et comme je disais, je vais mettre un petit peu de couleur dans ma vie, Kevin. Ouais. Ben ouais, ça fait du bien. Bon après voilà, ça c'est plus pour les. Pour les poignets fins, tout ça, moi j'aurais préféré un petit peu plus gros, je sais pas si c'est possible, peut-être avec du gros fil noir, peut-être, et puis après venir travailler, c'est possible, je pense, mais déjà, comme ça, c'est très très joli, et je pense qu'avec un connecteur, franchement, ça serait encore, ça claquerait sa mère, comme dirait l'autre, ça serait, comme il disait Cyril, c'est la classe à Dallas, ça serait la classe à Dallas, ça c'est clair et net, allez. Bon, bah sinon aujourd'hui, bah voilà, Enzo est venu me voir, je l'ai ramené, tranquillou. Il a mis des belles photos de son père. Il a mis des belles photos de son père. Il fait la grimace. Non, Enzo, on voit bien qu'il en a marre, là, il veut nous vite être ici, là, en fait, là. Il veut vite mettre le camion ici, là, pour pouvoir enfin être avec nous, et ça va venir bientôt, très 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 vite, et après, on va pouvoir enfin être en famille. Le camion sera prêt. On va pouvoir enfin se retrouver en famille parce que voilà, même Guitou nous. Guitou est revenu. Il faut pas rêver. Hein, oui, ils savent que Guitou est revenu tout à l'heure, ils l'ont entendu. Et il faut pas rêver, nous aussi, hein, en tant que parents, bah voilà, le laisser là-bas, on n'aime pas trop non plus. Bon, on passe au-dessus, on fait autre chose, hein, parce qu'on a des trucs à faire, mais voilà, on est pressé, nous aussi, de notre part, de l'avoir ici. Alors lui, il est pressé de venir et nous, on est pressé aussi qu'il vienne. Donc comme ça, au moins, bah, c'est ça, ça va être super cool. Et après, oui, bah. Après, si tout se passe bien, on prend la route et on prend la route tous ensemble. Et voilà, unis, en famille. Tout simplement. Voili, voilou. Allez. Amour, un petit mot, non? Un petit mot pour les abonnés, un petit mot pour les gens. Rien à dire. Merci. Voilà, merci. Mais un c'est grand, beau déjà. Grand merci. T'as, c'est beau déjà, ça. C'est, ben oui. C'est énormément de choses à dire, ça. On remercie tous ceux, tout le monde. Bah, merci à vous, ouais, c'est clair. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de nous faire confiance sur tout ce qui est création, tout ça, tout ce qu'on fait. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Mille et mille bisous. Et puis, bah, sachez que dès qu'on va pouvoir enfin prendre la route, grâce à tous ces petits projets, grâce à vous aussi, parce que c'est grâce à vous, hein, mine de rien, faut le dire aussi, hein, parce que plus vous allez nous suivre sur nos vidéos sur YouTube, bah, plus on va pouvoir partir, et plus vous allez contribuer aussi aux créations qu'on fait, bah, plus on va pouvoir prendre la route, vous montrer de belles vidéos, vous montrer autre chose, vous montrer des coins différents. Et puis, bien entendu, bah, venir à votre rencontre, venir par chez vous, venir vous voir. Voilà, passer des bons moments ensemble et puis. Sans que rien ne nous oblige à remonter à voilà. Telle heure ou à telle date. Voilà, voilà. Passer des bons moments avec tous les gens qui veulent nous rencontrer. Et je sais qu'il y en a, je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous rencontrer. Donc, voir hors de la France. Voir hors de la France, oui, c'est vrai. Et donc dès que. Même dans des petits villages de
Il a dit dans un petit village du Mexique. Le petit village du Mexique, ouais. Il y a des gens qui décident jusqu'au Mexique. Bah, le Mexique, ça va être un peu plus compliqué. Là, il va falloir un budget un peu plus conséquent quand même pour le Mexique. On est regardé du Mexique. Mais ça me plairait, pourquoi pas un jour. Ça rigole pas, hein. Bon, voilà, en tout cas, voilà, on tenait à vous remercier. On vous fait des gros bisous. Ouais. Et puis, bah voilà, quoi. Salut les petits loups. Allez, Radio Jadier. Non, ça, c'est pas les chats. Bonjour, petit chien. Qu'il a bien dormi ici, petit chien. Ouais, bon, bah, ça a l'air d'aller. Allez, petit ricoré, petit café, tartine, petit pain de mie qui est en train de griller. Ça sent bon en plus parce que c'est du pain de mie complet. Donc il a une odeur magnifique. Et là, c'est mouillu. C'est mouilleux. Mais bon, perso, moi j'ai pas rêvé trop chaud. Donc je suis très bien de ce temps-là. De toute façon, on avait des choses à faire à l'intérieur. Allez, oui. Donc voilà. Et le voisin est parti. De bonne heure ce matin. Voilà, petit déj. Avec du... Oh, avec du beurre. Oh ouais. Bah oui, mais le beurre... Comme a dit la petite fille dans la vidéo, le gras, c'est la vie. Ouais. Allez, des bisous pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et on fait des bisous. Bon, qu'est-ce qu'elle fait de beau la puce? Elle a fait la laisse. Avec un nouveau style de corps, c'est ça? Ouais, c'est pas pour Adrien. Non. C'est une laisse pour petit chien. Moyen chien. Aigon, c'est un gros chien. Il mérite la laisse qu'il faut. Mais oui, c'est du tissu que... Vas-y, du tissu. C'est du... Je sais pas, c'est un peu de nylon tressé. C'est des bobines qu'on a achetées en Espagne. Ah oui. Voilà, que j'avais acheté. J'avais fait le sac à main avec un rouge. Et il m'en restait. Et puis bah, je me dis que bah, c'est pas mal. Ça fait une jolie laisse. Bon, ça a l'air en décor, oui. Oui, et puis bah... C'est solide. Donc c'est voilà, clair. Une nouvelle laisse pour un petit chien. S'il y en a qui sont intéressés. Et puis qu'attaché au roulier, et dis viens là, putain, viens là. Eh ben parfait. Ça va prendre du temps, mais ça va être chouette. Ouais, on vous montrera le résultat. Peut-être je vais intégrer des trucs. Peut-être. Ouais, pour, bah, pour, voilà. Ouais, on par en dit... contre, mixte. Hein. On n'en dit pas plus, ça on verra bien. Des trucs mixtes, mais hein, ça peut être sympa, ça peut être sympa. On verra bien, allez. Bon, eh bien les gros, bon, suite à cette petite vidéo de présentation que je vous avais faite, bon, on va continuer à parler un petit peu de ce petit engin qui m'a l'air d'être bien sympathique quand même. Bon, bah là, regardez, je vais poser ici, tranquillou. Non, il me dit qu'il fait 25, mais c'est possible qu'il fait 25 dans le camping-car, hein, il fait pas froid du tout. Et bah, il me dit qu'on est à 63% d'humidité, donc je vais peut-être le laisser descendre tout doucement, parce que là, je viens à peine de le poser. On verra bien, mais c'est vrai que c'est possible, puisque là, je vais vous avouer que bah, toutes les fenêtres sont ouvertes, hein. Nous, on ne vit pas avec les fenêtres fermées, il est hors de question. Et puis, bah, regardez-moi le temps, hein. Il a bien draché tout à l'heure, tout est trempé de partout, donc forcément, le taux d'humidité, bah, il est là, hein, ça. Et en plus, comme il fait bon, il fait chaud, bah, c'est sûr que le taux d'humidité est un peu plus important. C'est pas comme en hiver, où quand il pleut, qu'il fait froid, le taux d'humidité est un peu, peut-être un peu plus bas. Mais là, quand il fait chaud, voilà. Mais c'est pas mal. Donc au moi je l'ai mis ici, parce qu'au départ je voulais le mettre ici. Et puis je me suis dit après, il y a quand même le petit truc qui clignote là. Alors, la nuit ça va être chiant, le voir tout le temps clignoter. Voilà, donc là il est bien là. Et puis bon finalement il a sa place, au moins là il est quasiment, on peut dire oui, il est dans le centre même du camping du CC. Donc comme ça au moins il est magnifiquement bien. Il est pas trop mal, il est bien installé. Bon bah voilà. Bon bah nous on va continuer. Bon, petite astuce pour les mouches. Parce que les mouches, bah vous voyez là, j'ai remis ça ce matin là. Il y en a déjà quelques-unes dessus. Bah oui, on est à côté d'un champ où il y a pas mal de vaches là-bas. Puis bah là comme il pleut, il a fait chaud, enfin bon. Et là il y a un facochère.
Impeccable. Et puis moi, je suis alcoolique, mais ça, on est tous alcooliques de toute façon. Donc après, c'est pas trop, après, c'est pas une insulte, c'est ça. Bon, hey, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien d'écrire ça. Voilà. Au moins, nous, ça nous a fait rire. Puis lui, je pense que, ou elle, ça lui a fait du bien dans sa tête. Et comme ça, au moins, elle a pu prendre son petit médicament. Elle a pris son petit ordonnance, elle a pris son petit médicament du matin. Ah, bah, on va pouvoir repartir correctement pour finir sa journée maintenant. Ah, ouf. Bah, on est content de t'avoir satisfait. Voilà. Allez, continue ton traitement surtout, t'arrête pas. Bon, donc comme je disais, pour revenir aux choses plus importantes et plus intéressantes surtout. Pour les mouches. Vous voyez, là, il y en a une là. Qu'est-ce que tu fais? Elle bouge pas. Ah, elle revient, hein. Ça dure pas longtemps. Hein. J'avais mis du, vous voyez, dans le verre, là, il y a du vinaigre blanc. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais nettoyer la table au vinaigre blanc. Alors au début, bah, tant que c'est là, ça marchait répulsif, bah, il y en a une, elle est tenace, ça doit aimer ça. Bon, il y en a moins, hein, beaucoup moins déjà. Mais ça peut marcher. Bon, en même temps, ça désinfecte. Et puis, ça peut aussi éliminer les mouches, enfin, faire fuir les mouches, ce serait pas mal. Ouais. Comment? Ah oui, ah, peut-être qu'ils en mettent. Hein. L'odeur, ouais. Peut-être. Ça sent le vieux meuble. Ouais. Et ça sent bon. Et puis bon, en même temps, ça permet de nettoyer correctement le voilà, les tables, le matériel. Et puis bon, bah si ça peut aussi faire fuir un petit peu les mouches, ça serait pas mal. Parce qu'elles sont bien gentilles, mais c'est fatigant. Salut tout le monde, bon. On a reçu des petites planches. Impeccable. Ça, c'est pour les futurs projets. Hop, d'autres porte-clés en bois, mais sur ce coup-là en 6 mm. Voilà. Ce sera beaucoup plus beau, beaucoup plus joli et beaucoup plus pratique. Donc ça, ça va être encore une nouvelle expérience. Ça va être sympa. Puis là, je suis en train de me prendre la tête avec un logiciel là que j'ai téléchargé, qui est gratuit, qui est pas mal, qui est vraiment fait éventuellement pour les trucs de graveuse et tout ça. Mais bon, il faut que je l'élabore. Là, je suis sur une petite plaque là qu'on va faire pour Adrien, pour Egon. Et bon, bah, c'est une toute petite plaque, mais rien que déjà qu'une toute petite plaque à placer le nom, à courber et tout ça, c'est déjà une prise de tête monumentale. Mais une fois que j'aurai bien pris en main le logiciel, après, ça va aller tout seul. Mais dans un premier temps, voilà, il faut apprendre, il faut regarder, il faut essayer de... Là, ça fait déjà depuis ce matin que je suis dessus, là j'en ai plein la tête, donc j'ai dit allez, hop, on coupe un peu, et on verra demain, je reprendrai. Parce que putain, c'est que... Hein ? Et ça, c'est pour nos tortelles. Et là, on a préparé à y aller. Donc Nono, voilà, c'est là. Ça va partir bientôt. Si. J'espère que ça va aller quand même le colis là, non ? C'est pas... Non ? Personne ne va risquer de l'abîmer, de... Non, non, bah non, mais après mon... Ouais. On adresse là. On sait jamais des... tout ce qui se passe maintenant. Il y a une enveloppe brûlée en plus à l'intérieur. Ouais. Oh, oui, tout est protégé à l'intérieur, mais bon. Je crois que c'est le colis. Ah bah voilà. Putain, il est encore. Non, bon. Bref. Et ça, c'est la laisse pour Egon. Oui, ça, c'est la laisse qu'elle est en train de faire pour Egon. Magnifique. Voilà. Nickel chrome. Avec ça. Ah bah, il ne boira pas. Donc voilà. Personnalisé au prénom de Hegel. Ouais, et pour ça qu'il faut que je fasse la plaque. Ça va pas être une mince affaire, mais on va réussir à la faire. On va y arriver, on va y arriver. Parce qu'on prend le logiciel en main. Tout ce que j'entreprends en général, j'y arrive, mais il faut un peu plus de temps. Certains ça va plus vite, d'autres ça va un peu plus de temps. Bon. Et après, il faut que j'attaque après celle de Yves Wassino. Ben, ça va être... ouais, ça devrait aller, ça devrait le faire. Je commence à bien voir à peu près comment ça se fait. Donc ça devrait normalement. Presque pas trop mal. Si t'as déjà l'idée pour lui. J'espère. Dans ta tête. Donc, ouais, bah l'idée, ça, c'est pas le problème, mais après, c'est concrétisé après sur le logiciel. Faut que c'est pour la graveuse. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, il y a Enzo qui est passé vite fait, mais j'ai pas, le pauvre, il est passé avec son pote, mais j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Il va reviendre. Allez. Et puis normalement pour le camion, bah, ça va être fait pour de bon aussi. Ça y est, on a eu des nouvelles de notre petit Bruno. Donc normalement c'est bon, c'est bon. Donc on a déjà calé à peu près... Le camion nous attend. On a calé une date à peu près où on va se voir. Oui. Alors on dit bien à peu près parce que chez nous, comme je disais à Bruno, il le sait, hein, on ne calcule rien. Même lui, hein, il ne calcule rien non plus. Hein, il ne sait pas où il sera, il ne sait pas ce qu'il fera.
verra bien. Et on arrivera bien de toute manière à se capter quand même ce week-end. Voilà, voilou. C'est tout, c'est tout. Allez, je vous laisse là.